Allez, un beau salut. Un beau salut. Gaba. Un beau salut. Genoux. Vas-y, Léo. Voilà. Alors, mettre-moi le grand écran, décidément. Voilà. C'est mieux comme ça, non? Alors, fais le salut. Ré. On se relève. Alors, on va commencer par un petit exercice. On va repasser en position pour le salut. Regardez bien. Voilà, comme ça. Et regardez, on va monter une jambe, puis l'autre. Et on relève. Et après, on descend. Hop, hop, et on vient s'asseoir. Hop, hop, on remonte. Et on descend. Hop, hop. Voilà. D'accord, ça va? Allez, on y va, Gabriel. C'est parti. On passe à genoux, on remonte. Vas-y, mon bonhomme. Voilà. Ok, on reste à genoux. On se relève, on met les mains de chaque côté, on fait un petit pingouin comme ça. Allez, on bascule. Tac, tac, sur le côté. On avance un petit peu. Hop, et on recule. Allez, on fait le petit pingouin. Voilà, le petit pingouin, il va tourner un petit peu. Là. Tournez bien, on est sur les genoux. Et de l'autre côté. Allez. De l'autre côté. Ça va? Voilà, très bien. Allez, le petit pingouin, je le transforme en petite grenouille. Attention, hop, en grenouille. Allez, on vient se mettre en petite grenouille comme ça. D'accord? On ne met pas les mains par terre, les enfants. On met les mains sur les genoux pour l'instant. D'accord? Et là, on fait des tout petits sauts. On est des bébés grenouilles, tout petits sauts. Là. Allez. Voilà. Tout petit saut. C'est bien. Maintenant, la grenouille, je vais la transformer en canard. Hop, j'avance. Une jambe et l'autre. Et je recule. Hop. D'accord? Et j'avance. Hop. 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 Et je recule. Hop. Hop. Ok. D'accord? Très bien. Maintenant, je vais mettre un genou par terre, puis l'autre, et j'avance. Voilà. Et là, oh, ça va être un peu difficile, ça, pour vous. On le fera au judo, là. Parce que... Ok, alors attention. Maintenant, on va se mettre sur les fesses. D'accord? Et on fait une araignée. J'ai mes bras tendus derrière moi et là, je monte mes fesses. Et on repose. Très bien, je passe sur mes genoux à quatre pattes. OK, et je fais des cercles, des ronds comme ça. Voilà. Maintenant, dans l'autre sens. Et on va décoller les pieds. Les pieds ne doivent pas toucher le sol. Regardez. Là. Et dans l'autre sens. Allez-y. Voilà. Ça va? Alors, on se remet comme ça, à quatre pattes. Regardez, je vais décoller mes pieds. Il y a un contre-jour là. Décolle mes pieds. Et là, je vais monter un bras, puis l'autre. Hop, hop.
vous regarde. Allez. Voilà. Ouais, super. On monte bien les bras devant. Allez, Mayol. Ouais, Mayol, je vais te reprendre en main hein, sur le tapis. Hein. Attention. Hein. Allez, Mayol. Voilà, très bien. Ça va? Alors maintenant, on va se remettre sur les fesses. Et là, on fait un petit tour comme ça. Hop, on cède en mettant les pieds par terre. Voilà. Et après, dans l'autre sens. On change de sens. Allez, je vous regarde, on fait demi-tour. On refait des, voilà, des ronds. C'est bien. Encore une fois dans l'autre sens. Parfait. Alors, regardez bien maintenant. Je lève mes pieds. Je garde mes mains. Et là, je vais ramener un pied, une jambe. Hop. Allez. OK. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur la chute arrière. Hein, tout le monde sait la faire. On va la réviser tout doucement parce que là, on n'est pas sur un tapis. Donc, on va faire des petites roulades maintenant. Avant de faire la chute arrière. Vous vous souvenez, je vais coller mon menton. Hein, je fais comme si je vais regarder ma ceinture. Là, je mets mes mains sous mes genoux. J'accroche mes jambes. Et là, je vais rouler. Hop. Et je viens m'asseoir. Hop. Encore, je vous regarde. Voilà, on colle bien le menton, on regarde sa ceinture. Hein, la tête, elle ne vient pas toucher le sol pour ne pas se faire mal. Voilà, on ramène bien les genoux, on fait des petites roulades. On se met en boule, en fait. Hein, on forme une boule. On se met bien en boule. Allez, les petites boules, on y va. On roule. Allez, 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 voilà, bien Gabriel, c'est très bien, voilà, on rentre bien sa tête, on colle son menton, on regarde la ceinture, quand on l'a, sinon on baisse bien la tête comme ça, hein, on regarde ses jambes, très bien, alors maintenant, regardez bien les enfants, je vais me mettre par terre. Je plie mes jambes, d'accord? Je croise mes bras. Et là, je regarde ma ceinture toujours, d'accord? Je croise mes bras et là, je vais venir écarter mes bras pour venir toucher le sol, ici. D'accord? Et je vais frapper avec quoi? Hein? On va frapper avec les mains, avec le dessous des mains. Il y en a même qui connaissent le nom, je crois. Hein? C'est la paume des mains, d'accord? Alors, on croise, je regarde ma ceinture, hein, je ne pose pas ma tête par terre. Alors, ça va être un peu difficile, mais on va avoir un bon coup après, bien solide. Allez, là, 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 c'est parti, je vous regarde. 10 fois. Allez, voilà, croisez bien vos bras, on croise bien les bras. On ne met pas la tête par terre. Maté. Alors, c'est très bien, sauf qu'il y en a quelques-uns, je crois, qui mettent la tête par terre. Alors, c'est un peu difficile, hein, elle est un peu lourde la tête, hein, parce qu'elle est bien pleine. Hein, d'accord? Alors, on va le refaire. Regardez bien. Regardez bien. Ma tête, elle n'est pas par terre, parce que si je tombe et que je cogne avec ma tête, je vais me faire mal. Donc, je vais rentrer ma tête comme ça. Je forme une boule et je regarde ma ceinture, mon autre ceinture qui est là. Vous voyez, je regarde. Et là, mes bras, je croise mes bras. Je viens toucher mes coudes comme ça. Là. Et hop, on frappe. Allez, on le refait 5 fois simplement. Sinon, c'est trop difficile pour le coup. C'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, ça a l'air bien ça. Hein? Bravo. Bravo. Gabin, je vois juste ta petite tête, mon bonhomme. Si tu peux reculer un petit peu.
Ou voilà, super, ah c'est parfait là. Merci papa, hein, on dit Gabin. Ok, alors, prochain exercice. Maintenant, on va refaire la même chose avec les bras, mais regardez mes jambes au lieu que mes pieds touchent par terre. Je vais les monter comme ça et je vais faire des pointes. Comme, regardez, on va bouger un peu les pieds comme ça. Je tends, je plie. Je tends, je plie. Regardez, je fais des belles petites pointes comme les danseuses avec mes pieds. Ça, c'est une pointe. Ça, je plie. Je pointe, je plie. Allez, on y va. On met les mains de chaque côté comme si on tapait le tapis ici. On garde les mains par terre. Et là, hop, 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 je vous regarde. Ça, c'est facile, hein? Entends bien les jambes, Gabin, mon bonhomme. Essaye de garder tes jambes bien droites. Ouais. Gabriel, c'est bien. Bah, Mayeul, qu'est-ce qu'il fait, Mayeul? Il dort? Tu peux le faire, Alix. Hein, n'hésite pas, ma puce. Hein, tu feras le cours d'après aussi. Hein. OK? Allez, Maté. Alors, maintenant, regardez bien. Je mets mes mains par terre, mes pieds par terre, je vais monter mes jambes comme ça, d'accord? Je colle ma tête, je regarde mon nœud de ceinture et je monte. Hop, 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 maté. Alors, on va le refaire en posant la tête parce que sinon, c'est difficile. Regardez bien. Je pose ma tête, mes pieds sont par terre, hein, mes jambes sont pliées, d'accord? Et là, je vais monter mes jambes et je vais voir mes pieds au-dessus de mes yeux. Hop, je plie, hop, 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 allez-y, je vous regarde. Allez, on en fait 5, 1, 2, voilà, c'est bien Gabin, essaye de tendre un tout petit peu tes jambes. Ok, très bien, alors Mayeul, il faut faire attention, parce que tu vas avoir les genoux à la place des yeux tout à l'heure. Hein. Il ne faut pas ramener tes jambes trop près de toi, trop près de ton nez, d'accord? Très bien, Maté, alors maintenant, je viens m'asseoir. On va compliquer un petit peu. Un tout petit peu. Je m'assois. Je me cache. J'attrape mes coudes. Je rentre ma tête pour regarder mon nœud de ceinture. Il y a le kimono qui gêne, mais je regarde mon nœud de ceinture. Et là, je vais rouler et taper. Je reviens. Je m'assois. Je forme toujours une boule. Et là, hop, je reviens. Je m'assois, hop, j'écarte mes bras et je tape le sol doucement. Hop, dès que le bas de mon dos, hein, le dos, il est où mon dos? C'est toute la grande partie derrière. Dès que le bas, ici, au niveau de la ceinture, touche par terre, j'écarte mes bras pour taper le sol. Allez, je vous regarde. Prêt? Attention. Hop, hop. Hop. Alors attention Alix, tu as tes genoux qui restent pliés, ma puce. Pareil, tu vas avoir les genoux à la place des yeux. Hein. Tu ne vas plus rien voir. Allez, tends tes jambes quand tu enroules. Voilà, parfait. Ouais, Gabriel, super. Mais garde tes jambes serrées et tape par terre, mon bonhomme. Doucement, évidemment, pour ne pas te faire mal aux mains ou pour ne pas faire mal par terre. Allez, voilà, tape avec tes mains sur le côté. Hein, Gabriel, il faut que tu tapes comme ça avec tes mains. D'accord, les enfants? On ouvre bien ses bras comme ça. Hein, pour mettre les bras presque en croix, en les descendant un petit peu. Voilà, voilà, ça c'est bien, Gabin. Voilà. Alors, on y va. Tu fais la même chose, Gabin, en roulant en arrière. Léo, vas-y. Vas-y, Gabin aussi.
Alors, je vois plus. Je vois les pieds là. Ah, Manon, ouais, je voyais tes pieds. Vas-y, Manon. Voilà, garde tes jambes serrées. Gardez bien vos jambes collées, serrées. Voilà, et on tape. Et la tête, elle est bien rentrée aussi. Hein. On ne tape pas par terre. On ne tape pas la tête au sol. D'accord? Voilà, très bien. Super, Léo. OK. Bon, ben, c'est pas mal ça pour une première révision de la chute arrière. C'est pas mal du tout. Très bien, les enfants. Vous mettez debout? Voilà. Gabriel, tu as raison. On va boire un petit coup. Allez. Si vous avez une petite bouteille, pensez-y. Hein, on boit un petit peu. Et on va passer debout. C'est parti. Allez, on laisse boire. Moi aussi, je vais boire. Voilà, petite gorgée. Alors. Là, on va prendre le balai avant d'utiliser la copine, la chaise. On va reprendre le balai. Parce que je sais que vous aimez bien le balai. Voilà. Alors. Désolé, il y a un petit contre-jour que je n'arrive pas à rectifier. Je ferme en tout. Alors, regardez les enfants, on prend le balai. Et vous vous souvenez, on va faire balayer le balai, mais avec son pied. Hop, ici. D'accord? Je tiens le balai à deux mains, comme ça. Et là, hop, hop, toujours avec la même jambe. Et on balaye. C'est le pied qui balaye. Là, ce n'est pas le balai. Hop, allez, on revient bien. C'est parti. Allez, je vous regarde. Toujours la même jambe. On la passe bien devant. Regardez, je passe le balai devant mon autre jambe. Je fais frotter mon petit orteil. Vous connaissez le petit orteil. On fait frotter, on met son pied en cuillère, comme une petite cuillère, d'accord? Et on forme un creux au milieu et on vient balayer le balai. Voilà. OK, on va faire l'autre côté maintenant. Attention, on écarte un peu ses pieds. Je tiens le balai à deux mains. Et je balaye l'autre côté. Hop, hop. Hop, on le passe bien devant. Je vous regarde. On ramène bien le balai au milieu à chaque fois. On ne s'appuie pas trop fort dessus hein, pour ne pas qu'il dérape le balai, pour ne pas qu'on tombe, même si on sait tomber maintenant. Allez. Gabriel, il fait le ménage. Ah non, très bien, Gabriel. Super. Maté. Alors, regardez bien. Maintenant, au lieu de tenir à deux mains, on va tenir avec une seule main. D'accord? Je tiens avec une main comme ça. Je mets le balai devant mon pied. Là. OK? Et je vais venir balayer avec l'autre jambe du côté où ma main ne tient pas le balai. D'accord? C'est compliqué? C'est un peu compliqué ça. Regardez. J'ai ma main ici et j'ai mon pied ici. Vous voyez bouger? Là. Voilà. Et je tiens le balai avec l'autre main. Et là, hop, je ramène. Hop, je ramène. Hop. Je ramène. Hop. Donc, je passe mon pied, ma jambe devant moi, mais aussi mon bras et ma main. Et je vais venir pousser le balai avec ma main, là aussi, en même temps que mon pied. Hop. 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 Je vous regarde. Vas-y, Mayol. Gabriel, c'est très bien ça. Monte un peu ta main qui tient le balai et tu vas, quand tu touches le balai avec ton pied, il faut que ta main touche le balai aussi. Vas-y, Léo. Ouais, super. Manon, vas-y, Manon. Ah, c'est avec l'autre jambe, Manon. Tu t'es trompé. C'est l'autre jambe qui passe devant, ma puce. Voilà, c'est ça. Vas-y. Voilà, très bien. Alors, maintenant, Maté, on va le changer. On était avec une main ici, on va changer de main. D'accord? Regardez, ici, je tends
mon bras, regardez ma main et bouche, je ne sais pas si vous la voyez parce qu'il y a le soleil, et là, mon pied. Et hop, 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 et maintenant, ma main vient pousser également le balai. Là, là, là. Allez, encore. Mon petit orteil touche le sol. Allez, on continue, je vous regarde. Je vous regarde. OK. Ah, Gabin, c'est... Ah, l'autre côté, Gabin, avec ta jambe. Le balai doit passer devant toi, mon bonhomme. Ah, c'est avec l'autre jambe. S'il tient le balai avec cette main, il faut qu'il le fasse avec l'autre jambe. Ouais. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On le reprendra. C'est pas grave, on le reprendra. C'est un peu difficile pour lui, ça. Il y a un peu de coordination, là. Voilà, voilà. Voilà, c'est ça, gamin. Voilà. Vas-y, balaye bien. Voilà. Occupe-toi du pied. Vas-y. OK. Maté. Alors, il reste déjà plus que 5 minutes. Donc, les enfants, regardez, on va reprendre le travail avec le kimono. Vous vous souvenez ? Sur la chaise. Je vais remonter ça. Alors, regardez, on va réviser ce qu'on avait commencé à voir. Hein, j'avais dit, on tient le kimono ici. Vous l'avez appris, on appelle ça le revers. D'accord ? Je tiens ici et là, je tiens la manche. D'accord ? Et on va apprendre à tourner en posant le bras derrière. On imagine là qu'il y a la tête du partenaire. Je vais poser mon bras derrière sa tête sur son cou. Et là, je tourne. On revient, je prends le kimono et je tourne. On revient et je tourne. Allez, allez-y. Voilà, on apprend à bien tourner. Je suis en face de mon partenaire, je le vois et hop, quand je tourne, je ne le vois plus. C'est bien, Gabriel, vas-y. Tiens la manche, voilà, très bien. Essaye de garder ton bras sur le haut de la chaise, mon bonhomme, maintenant. Hein, tous, essayez de garder le bras sur l'eau de la chaise. On appuie le bras. Pas que la main, Manon. Pas que la main. Appuie ton bras sur la chaise. Voilà, super. Bon, ça, vous êtes... c'est bien. Voilà, tourne bien, Léo. Voilà, tourne bien. Tourne tes fesses. Hein. Rappelle-toi ce qu'on a fait mercredi. OK. Très bien, maté. Alors, maintenant, vous vous rappelez... Au lieu de mettre la main dans le cou, je vais venir mettre la main. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. Voilà. Sous le bras du partenaire. Vous savez où ça chatouille là. Je vais coincer son bras ici. D'accord ? Donc, je vous montre. Je tiens, je lâche, je vois mon partenaire, je tourne, je tourne, je tourne. Je ne le vois plus. Je coince bien mon bras. D'accord ? Je reviens. Je suis face à mon partenaire, je tourne, je viens coincer mon bras et je tourne, je continue de tourner et je plie mes jambes pour passer en dessous. Allez, on essaye. Ouais, alors Gabriel, magnifique. Magnifique, magnifique Gabriel, magnifique. Plie tes jambes, Léo. Très bien, c'est très bien. Maintenant, essaie. Voilà, plie tes jambes. Manon, il a disparu, Thiago, là? Gabin, vas-y, mon bonhomme. Ça va. Reviens en face et tu tournes après. Là, c'est bien. Voilà, mais reviens plus en face, mon bonhomme. Reviens plus en face. Reviens plus en face. Vas-y, doucement.
Gabriel, ça va être un spécialiste de ce mouvement. C'est mon mouvement préféré, moi. Tourne bien, bien collé. Voilà. Wow, bravo. Eh ben, dis donc, tu as super bien compris. Hein. Bien, ouais. Super. J'entends pas, Gabriel, parce qu'il n'y a pas le micro encore. Bah, parce que j'ai des muscles. Ah ouais, je vois ça. Hein. Allez, on continue un petit peu. Allez, Mathé. C'est bon, les enfants. On a commencé un peu plus tard, là, donc malheureusement. Donc, on va faire le salut. Si jamais ça coupe, je vous fais un bisou parce que la dernière fois, je me suis fait prendre par le temps, ça a coupé. Je n'ai pas eu le temps de vous dire au revoir. Allez, on fait un salut. Allez, on se met à genoux. Ferme le micro. Ça y est, tout le monde est prêt. 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 Et maman, c'est doucement. Oui. Et bravo. Franchement, c'est bien parce que vous vous souvenez bien quand même de la chute arrière, hein, parce que c'est pas facile à la maison. Hein. Oui. Des champions. Hein. Le balayage, c'est aussi très bien. Et puis, j'ai vu là sur le dernier mouvement, donc on va continuer, hein, on va répéter tout ça. On apprendra d'autres choses. D'accord. Et comme ça, j'espère que dès qu'on pourra rentrer sur le dans les dojos, on pourra changer de ceinture. Hein, ça sera super. Voilà. Alors, vous pouvez rallumer les micros. Ça risque de couper. Comment tu t'appelles? Tu ne te souviens pas? Non. Christophe. Christophe. Ah, je me souviens plus. Alors, non, Sébastien, oui. En ce moment, il ne peut, plus être là. Hein, il reviendra dans quelques temps, là. Il est ailleurs. OK? Ah, OK. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça va? Ça vous a plu, les enfants? Oui. Bon, bah, super. Oui. Donc, pour les parents, je répète encore. Donc, les visios, le samedi uniquement. Le mercredi matin, maintenant, je suis à Trans au niveau du au dojo dans le jardin. Donc, si pour ceux qui sont sur le périmètre de Trans, La Motte, Draguignan, évidemment, si vous pouvez venir, c'est super. Et sinon, si les parents, n'hésitez pas, on a créé une séance d'entretien physique hein, le jeudi soir pour vous. Hein. C'est avec moi aussi. N'hésitez pas, hein, je l'ai fait tout seul là, jeudi dernier. Donc, je vous attends. Donc, on va vous envoyer le planning. Hein. Bon, oui. Je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon week-end. Est-ce que quelqu'un a une suggestion, une question? Non. Tout va bien? Oui. Et pensez, si vous voulez, à vous connecter sur la page Facebook École de judo de la Dracénie. D'accord? Ok. Si vous avez un doute, hein, mon nom, moi, de famille, c'est Gesbert. Donc, ma page, elle est gérée par Christophe Gesbert. Mais si vous faites école de judo de la Dracénie sur Internet, vous allez tomber dessus et je vous invite à la liker et vous faites partie du groupe comme ça. OK? Quoi? Je vous dis à la prochaine fois. Allez. Au revoir. Passez un bon week-end. Bon week-end. Oh, merci, bon week-end. Bye bye. Bon week-end. Bon week-end. Allez, je coupe, attention.